Par un terrible drame. Pour mieux la comprendre, nous avons recueilli les confidences de celles et ceux qui la connaissent depuis ses débuts. Ils nous révéleront tous ses secrets et nous raconteront les coulisses des films et des chansons qui ont construit sa légende. Alors tout de suite, découvrons ensemble le vrai visage de Lady Gaga, un documentaire de Simone Mortimer. Tell me something, boy. Aren't you tired trying to fill that void? Or do you need more? Ain't it hard keeping it so hardcore? Le 24 février 2019, sur la scène de la cérémonie des Oscars, la chanteuse Lady Gaga émeut la planète avec sa chanson Shallow, le titre phare du film A Star Is Born, dont elle est l'actrice principale. And in the bad times I fear myself. I'm off the deep end, watch as I dive in. I'll never leave the ground. Crash through the surface where they can't hurt us. We're far from the shallow now. Grâce à cette bande originale, ce soir-là, la chanteuse est consacrée. Et l'Oscar est attribué à Lady Gaga et Mark Ronson. Un Oscar pour sa chanson qui vient aussi récompenser symboliquement son incroyable transformation. Car grâce à ce film, Lady Gaga a montré au monde qu'elle n'est pas seulement une chanteuse provocante, mais une actrice à part entière. Thank you so much to the Academy for this wonderful honor. Elle le dit, hein, ce film a changé ma vie. Elle en est sortie avec une crédibilité artistique décuplée. Elle sait jouer la comédie, elle joue même très bien la comédie. Émue aux larmes, elle partage son bonheur avec Bradley Cooper, son partenaire à l'écran. Bradley, il n'y a pas une seule autre personne sur cette planète qui aurait pu chanter cette chanson avec moi, comme tu l'as fait. Merci d'avoir cru en nous. Merci beaucoup. Des remerciements sincères, car Lady Gaga le sait. Bradley Cooper est l'homme qui lui a permis de revenir sur le devant de la scène et de renaître aux yeux du public après une période compliquée. Avant ce film, personne n'aurait parié sur elle, personne sauf lui. L'histoire de cette rencontre qui va bouleverser le destin de Lady Gaga commence 3 ans plus tôt, en 2016, à Los Angeles. À cette époque, l'acteur américain Bradley Cooper rêve de faire évoluer sa carrière. Bradley Cooper, déjà, il a fait ses preuves, c'est une valeur sûre. C'est un acteur extrêmement bankable. On se souvient tous de Very Bad Trip, mais il est arrivé à un moment de sa carrière où il a envie de plus. Son rêve, devenir réalisateur. Et justement, la Warner vient de lui proposer un projet ambitieux. Tourner le remake d'un monument du cinéma américain, A Star Is Born. La version la plus célèbre de ce film date de 1954. À l'époque, c'est Judy Garland qui incarne le rôle principal. What am I here for? Can you forgive me? Am I too late? En 1976, c'est une autre icône, la chanteuse Barbara Streisand, qui reprend le rôle. Ce film raconte l'histoire d'un chanteur sur le déclin qui tombe amoureux d'une jeune interprète dont il va lancer la carrière. L'enjeu est de taille pour Bradley Cooper qui sera non seulement derrière la caméra, mais aussi devant en tant qu'interprète du premier rôle masculin. Mais il n'arrive pas à trouver celle qui doit incarner son héroïne, Ali. Il lui fallait une évidence, donc il réfléchissait. Il y avait énormément d'autres actrices hollywoodiennes qui étaient sur les rangs, qui en plus savent chanter. Les studios voudraient une star hollywoodienne, mais personne ne trouve grâce aux yeux de Bradley Cooper. Il est dans l'impasse, lorsque le destin met sur sa route une chanteuse à laquelle il n'avait pas pensé. Ce soir-là, il assiste à un gala de charité contre le cancer. Sur scène, la star Lady Gaga reprend La vie en rose d'Edith Piaf. Un choc pour
pour Bradley Cooper. Il était tellement captivé par son interprétation et par le son de sa voix qu'il s'est dit qu'elle pourrait vraiment tenir un rôle dramatique. Avant, je ne la connaissais pas vraiment. Et c'est quand je l'ai entendue chanter en live que j'ai été complètement subjugué. Si Bradley Cooper est bouleversé par ses qualités de chanteuse, il est conscient que Lady Gaga n'a jamais joué de premier rôle au cinéma. Elle n'a rien fait d'exceptionnel, peut-être des petits rôles si je ne m'abuse, mais alors vraiment sans aucun intérêt, entre guillemets. On est quand même sur une actrice qui, à l'époque, en tant qu'actrice, a fait American Horror Story, vraiment un rôle de genre assez particulier. Pour 99% des gens, Lady Gaga, c'est celle qui avait une robe en viande. Dépassant les préjugés, Bradley Cooper veut donner sa chance à la chanteuse. Alors, dès le lendemain, en guise d'audition, un déjeuner est organisé à Malibu, au domicile de Lady Gaga. Ils commencent à discuter, ils sont tous les deux d'origine italienne. Ils se rendent compte qu'ils ont plein de points communs, plein de manières de voir la vie qui sont finalement assez similaires. Et c'était le début, en tout cas, d'une vraie belle rencontre. À la fin du repas, portés par leur complicité naissante, les deux artistes s'installent au piano. Bradley Cooper propose alors à Lady Gaga de chanter ensemble. Un moment qu'ils avaient raconté aux équipes de 50 Minutes Inside sur TF1. On a parlé un peu et je pense qu'il y a une chanson que je savais jusque quand j'étais très jeune qui s'appelle Midnight Special. Mm-hmm. C'est un folk song. Mm-hmm. Et j'ai demandé à elle, est-ce que tu veux chanter avec moi? Aussitôt, entre les deux stars, la magie opère. Au-delà de cette espèce d'alchimie professionnelle, il y a eu comme une espèce d'alchimie, j'allais dire amoureuse, idyllique. Le réalisateur en est convaincu, il vient de trouver sa partenaire. Pour Lady Gaga, cette opportunité de jouer un grand rôle tombe à pic, car après les années fastes des débuts, sa carrière de chanteuse s'essouffle. Ses excentricités séduisent moins. Son dernier album, Art Pop, sorti en 2013, assassiné par la critique, a été une déception commerciale. Lady Gaga n'a pas réussi ce tournant de carrière que connaissent toutes les grandes chanteuses. Et le problème, c'est que les albums ont commencé à moins se vendre. Ses frasques vestimentaires avaient fait la une des journaux People pendant 2 ans, mais là aussi, on commençait à se lasser. Cette image de star de la provocation colle à la peau de la chanteuse. Mais face au potentiel préjugé des studios, le réalisateur a une stratégie. Il veut révolutionner l'image de Lady Gaga. Alors, il lui fait une proposition inattendue, un pari osé qu'elle racontera plus tard. Il voulait vraiment que je sois naturelle. Je me souviens, il avait une lingette démaquillante dans la main. J'avais juste mis un tout petit peu de maquillage. Il l'a passé sur mon visage et il m'a dit « Je ne veux pas que tu sois maquillée ». Il lui aurait dit « En fait, je ne veux pas Lady Gaga, je veux Stéphanie. Je ne veux pas d'artifice, je ne veux pas de fossiles, je ne veux pas de rouge à lèvres, je veux rien, c'est juste toi que je veux ». Elle savait que le prix à payer pour être bonne dans ce rôle-là allait être très très cher. Et il fallait accepter aussi de se montrer, j'ai envie de dire, un peu à poil. C'est très difficile d'atteindre la nudité, en fait. Faire tomber le masque, révéler une part d'elle-même, exposer ses fragilités. Le défi est immense pour celle qui se cache derrière son personnage depuis des années. Mais Lady Gaga a confiance en Bradley Cooper. Alors elle va non seulement accepter de jouer sans phare, mais aussi que le réalisateur s'inspire de sa vie pour construire le personnage d'Ali. Quitte à puiser dans sa propre histoire celle de Stéphanie Germanotta, la jeune femme qu'elle était avant de devenir une star. On peut presque superposer l'histoire de Star is Born et la sienne. C'est l'ascension fulgurante d'une jeune femme talentueuse, mais qui n'a pas forcément tous les atouts pour ça, et la transformation en cygne. Et ça, c'est l'histoire de Lady Gaga. Lady Gaga, c'est quelque chose qui lui a été clairement dit. On lui a expliqué, écoute, si tu veux percer, tu changes ton nez. Tout ça, c'est des choses qu'on retrouve dans le film, parce que c'est des choses qu'elle a vécues, elle, qu'elle a en commun avec le personnage. Donc c'est Ali qui parle, et il y a beaucoup de Stéphanie derrière. On voit plus Stéphanie que Lady Gaga, en fait. Elle est très touchante, elle est très jolie. Dès lors, tout au long du film, la réalité et la fiction vont se confondre. Bradley Cooper avait découvert Lady Gaga chantant La vie en rose.
Telle une évidence, son personnage est séduit de la même façon dans la scène de leur rencontre. La sincérité, c'est ce qui va primer dans ce A Star is Born. Et c'est vraiment au-delà de tout jeu d'acteur. Et c'est ça qui est magique dans ce film-là. Très impliquée sur le tournage, Lady Gaga s'investit aussi dans la bande originale du film. Elle propose à Bradley Cooper une chanson qu'elle a écrite avec son compositeur fétiche, Mark Ronson. Shallow, en anglais, ça veut dire peu profond. Ça veut dire quelque chose de superficiel. Et donc là, c'est vraiment deux personnes ensemble qui communiquent, qui apprennent à se connaître, qui apprennent à parler d'autre chose que des choses superficielles de la vie. C'est quelque chose de très sincère qui se lit. Bradley Cooper est tellement emballé par cette chanson qu'il décide d'en faire une scène clé du film et de la tourner en conditions réelles sur la scène du Glastonbury, l'un des plus grands festivals d'Angleterre. Pour tourner cette scène-là, ils n'ont pas fait appel à un fond vert, ils n'ont pas fait appel au numérique. Ils se sont vraiment, entre guillemets, incrustés dans un vrai festival. Et donc le public a vu arriver et Bradley Cooper et Lady Gaga dans le cadre d'un film. C'est hyper fort, en fait, ils chantent pour de vrai. Cette scène a été faite réellement dans les conditions live. Ils avaient une petite oreillette qu'on ne voyait pas avec une bande-son pour pouvoir chanter live, chanter vrai. Et c'est ça qui donne cette authenticité. C'est quelque chose qui transparaît à l'écran. C'est vraiment le grand moment d'émotion. Quand ils montent sur scène, s'éblouissant l'un l'autre, l'alchimie entre eux est tellement puissante. C'est vraiment une belle chanson, avec une belle mélodie. Le dernier jour de tournage est une épreuve pour la jeune femme, car une nouvelle fois, sa vie privée se confond avec la fiction. Elle doit interpréter la dernière scène du film, dans laquelle elle doit pleurer la mort de son amant. Mais au moment d'entrer sur le plateau, elle apprend une terrible nouvelle. Ce jour-là, elle apprend le décès d'une de ses meilleures amies qui se battait contre un cancer depuis plusieurs années. Bradley Cooper dit « Écoute, on arrête le tournage, on reprendra dans quelques jours, etc. » Et en fait, elle lui dit « Non, on va tourner aujourd'hui. On va tourner aujourd'hui parce que mon amie, elle n'aurait pas voulu que ça m'empêche de vivre mon rêve. » C'est quelque chose qui va transparaître dans la scène. De vraies larmes qui vont bouleverser le public. Le succès du film va enfin réconcilier la jeune femme avec son image et son passé. Un film dont elle est fière et dont elle fait la promotion aux côtés de Bradley Cooper. Et au fil de leurs apparitions, comme ici à Venise, fin août 2018, leur complicité surprend. Ils se sont tenus la main quand ils sont arrivés à la Mostra de Venise. How romantic, comme disent les Américains. Ils sont absolument dithyrambiques quand ils parlent de l'un et de l'autre. Tout le monde pensait que Lady Gaga et Bradley Cooper étaient en couple. On n'entendait parler que de ça. Il y a un tel naturel entre eux, il y a une telle évidence en fait quand on les voit qu'on se dit ces deux-là, c'est plus du cinéma. Une histoire d'amour naissante entre deux stars. Le soir de la cérémonie des Oscars, plus que jamais, l'idylle hollywoodienne semble s'afficher au grand jour. Il y a une complicité, il y a une tendresse entre eux. Il y a des regards qui sont échangés, qui sont magnifiques. Personne n'a pu rester insensible à ce duo et tout le monde s'est dit « Oh, ils vont s'embrasser ». We're far from the shallow now. Le baiser tant attendu n'aura pas lieu. Mais l'alchimie entre eux est telle que les tabloïds en sont convaincus. Lady Gaga a trouvé l'homme de sa vie. Et pourtant, après des mois de suspense, dans une interview télévisée, Lady Gaga fait une révélation. Cette complicité sur les tapis rouges, ses regards langoureux aux Oscars, toute cette romance n'était qu'un plan marketing. La fausse idylle coupe comme de génie. Je pense juste que ce sont de grands, grands professionnels et qu'ils ont vraiment orchestré de A à Z cette fausse idylle. Le succès du film a fait qu'on aurait bien aimé les imaginer ensemble,
Ils s'en sont servis pour voilà, assurer la promotion un petit peu de ça. Ça fait partie du jeu. Une stratégie gagnante. Non seulement Shallow remporte l'Oscar de la meilleure chanson, mais le disque de la bande originale du film se vend à 14 millions d'exemplaires. Thank you so much. A Star is Born, c'est quand même l'une des plus, 10 plus grosses meilleures ventes au monde de musique de film, qui est une musique extraordinaire. C'est un carton mondial, ça devient l'un de ses plus gros tubes. Shallow va faire le tour du monde et devenir l'une des plus belles chansons d'amour. Tell me something good. Interprétée par les plus grandes voix, comme Garou, lors de la fête de la musique à Nice en 2019. In all the good times I found myself lonely. Ou encore par Slimane et Amel Bent. And in the bad times I fear myself. I'm in a deep end, watches as I live. I never meet the ground. Crash from the Pour tous, Shallow est devenu un standard de la musique. Une chanson inoubliable, surtout pour Lady Gaga qui peut l'affirmer. Ce titre et le film A Star is Born ont changé sa vie à jamais. C'est un film qui lui a apporté une immense notoriété encore plus grande, une légitimité, une crédibilité. C'est vraiment le jackpot absolu. Lady Gaga est alors au sommet d'une carrière qu'elle a bâtie de manière fulgurante. Car à peine 11 ans plus tôt, c'est loin de la prestigieuse salle des Oscars qu'elle se produisait, sur un parking. It's so much cooler to be a part of something like this than anything else. So everybody should be so happy they're here today. Nous sommes le 12 juillet 2008 en banlieue de San Diego, sur le parking d'une grande enseigne de meubles suédois. Lors d'un concert caritatif, la chanteuse de 22 ans interprète son premier titre sorti 3 mois plus tôt, Just Dance. Elle est carrément au même niveau que le public. Elle a 2 danseurs, c'est vraiment un show à petit budget. Pour conquérir l'Amérique profonde, il faut se cogner les endroits les pires des États-Unis. C'est là où vont les ados américains et où ils vont. Ben, ils vont passer leurs après-midi dans des énormes centres commerciaux. Il était clair qu'elle voulait faire de sa chanson un succès et que tout le monde connaît son nom. À l'époque, Lady Gaga est encore inconnue du grand public et Just Dance, loin d'être un tube. Alors, elle dépense une énergie folle et frappe à toutes les portes pour tenter de le faire connaître. Il y a des radios locales aux États-Unis. Vous devez vous cogner chaque radio locale. Il y a 50 États. À chaque fois, il faut aller défendre votre disque. Difficile de s'imposer sur les ondes aux États-Unis. Elle adapte donc sa stratégie et décide de s'attaquer à des marchés moins ambitieux. Sa maison de disques l'envoie à Paris, rencontrer Gwenaël Jay, l'homme qui doit lancer sa carrière en France. La première fois qu'elle vient, elle me dit « Je veux chanter en club ». J'ai dit « C'est-à-dire ben, ?»« Je veux une soirée, faut trouve sur Paris, l'idéal. J'aimerais aller chanter dans une soirée gay. » Et j'ai dit « Mais le problème, c'est que t'es pas encore assez connu pour que le club te paye. On n'arrivera pas à générer un cachet. » Elle me dit « Je m'en fous. Je veux le faire pour... » commencer à raconter mon histoire, commencer à connecter avec mes fans. Je l'ai trouvé dès le départ très 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 déterminé et avec une capacité de travail qui était absolument dingue. Des débuts poussifs qui ont profondément marqué la chanteuse. Les Américains ne voulaient pas diffuser ma chanson. La France non plus ne voulait pas la diffuser. Personne dans le monde entier.
Mais elle ne baisse pas les bras et propose quelques mois plus tard un second single, Poker Face, où elle affirme sa détermination sans faille. Face, c'est vous pouvez penser ce que vous avez envie de penser, je m'en fous finalement, moi je ferai ce que je veux. C'est quand même une énorme manière de dire je m'en fous de vous, quoi. Pour un artiste débutant, arriver en disant moi je suis comme ça, si ça vous plaît pas dégager, c'est quand même culotté. Un texte provocant qui ne suffit pas en France à déclencher l'engouement autour de son album. Au début, on a patiné pour vendre de l'album. On vendait du single, on vendait pas d'album. Les gens adhéraient pas vraiment encore à la fille. Ils trouvaient que c'était un peu un projet Kleenex. Un projet Kleenex, la chanteuse d'un seul disque. C'est comme ça que Lady Gaga est encore perçue, surtout en France, où les ventes de l'album ne décollent pas. Benjamin Locoche de Paris Match se souvient encore de sa première écoute. À l'époque, la maison de disques en France informe à peu près tous les journalistes que ça va être énorme. Et puis on reçoit ça tous, on écoute tous un peu ça. Et puis nous, on n'y croit pas une seule seconde, quoi. C'est oui, c'est sympathique, mais enfin, pardon, mais c'est limite de l'eurodance, ton truc. On nous a sorti, oui, enfin bon, ta cascada, elle est bien mignonne, mais dans deux singles, elle rentrera chez elle. Oh, et la blonde peroxydée, ok, mais elle doit encore chanter en playback. Beaucoup de clichés. Personne n'en veut. C'est simple, personne n'en veut. À tel point que, à l'époque, elle vient en promo à Paris, et les différentes équipes qui s'occupent d'elle sont obligées de faire de la... Genre, je te jure, tu veux pas passer une demi-heure avec elle parce qu'elle est formidable et que ça sera une très grande star. Et nous, on dit non. Bon, non. Alors, pour susciter la curiosité des médias, l'artiste va tenter un coup de bluff. Comme son album s'appelle The Fame, littéralement la célébrité, elle va tout faire comme une star. Elle joue la rockstar. Et mais jusqu'à l'absurde, jusqu'au ridicule. Elle arrive dans des tenues complètement extravagantes, en ayant l'air saoulée par les paparazzis, alors que tout le monde l'ignore et ne sait même pas son nom. Et c'est comme ça qu'elle a créé la légende, en jouant la légende, quoi. Oh là là, elle m'aura plus. Elle se prend pour Michael Jackson ou quoi? Mon Dieu, j'hallucine. Putain, mais elle se prend pour qui? Les gens qui l'ont interviewé à l'époque, c'était limite ils allaient rencontrer Madonna, alors que c'était un premier album d'une artiste que personne ne connaissait. Mais ouais, elle la jouait déjà. Enfin, c'était une audience avec Lady Gaga. Je ne crois pas qu'on devienne une star. Je crois qu'on est star. Ce qui est assez malin parce que derrière ça, il y avait quand même beaucoup d'humour, il y avait quand même beaucoup de second degré. Fallait le percevoir. J'ai toujours été célèbre. C'est juste que les gens le découvrent maintenant. On s'est retrouvés dans un bar à Saint-Germain-des-Prés à descendre une coupette de champagne et de Kir Royaux. À l'époque, elle aimait bien ça. Plus saucisson et charcuterie et fromage français, ça, c'était le top. Et en sortant du bar, elle avait oublié de reposer sa coupette et le serveur l'a interpellée en lui disant « Hey, Marilyn Monroe, ta coupette, c'est sur le bar. » Elle parle français, comprend, se retourne et lui dit « Je ne suis pas Marilyn Monroe, je m'appelle Lady Gaga, souviens-toi de moi. » Je pense vraiment qu'elle est convaincue au fond d'elle-même. Elle sait qu'elle va réussir. Aux États-Unis, Lady Gaga est bien en train de relever son pari. Mais en France, les médias continuent de la snober. Voici Lady Gaga. Comme le 12 septembre 2009, où elle est reçue sur le plateau d'On n'est pas couché. Une interview qui tourne au cauchemar. On comprend bien pourquoi vous vous appelez Lady Gaga, c'est votre nom d'artiste, parce que vous vous répétez beaucoup dans les chansons. Nolo, il commence à démonter sa musique, parce que oui, bien évidemment, c'est de la pop, etc. Et que oui, les paroles, potentiellement, citent pas non plus du Baudelaire, quoi. Dans vos chansons, j'ai repéré que 4 thèmes. Je veux être célèbre, je veux être riche, je veux danser, je veux baiser, et si possible, les 4 en même temps. C'est riche. Ce qui est une question d'organisation et de souplesse. Comment vous dire, je ne vais pas composer un disque sur des sujets politiques parce que simplement je ne suis pas un homme politique, je ne suis pas quelqu'un qui... L'interview a été un peu je te tacle et elle sur la défensive. Poker Face a dit oh 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 et oh oh oh.
j'ai un faible, ça dépend. Et Boys, Boys, Boys dit oh, 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 oh. Oh, vous laissez passer, répondez-lui. Et c'est dommage, quand les gens s'arrêtent à cette espèce de façade de chanteuse de dance avec une perruque qui change de couleur. Parce que quand on creuse, moi j'ai vu des journalistes sortir en disant que c'était la meilleure interview qu'ils avaient jamais faite, parce que la fille est passionnante. Bousculée devant des millions de téléspectateurs, la jeune femme a tout de même réussi à garder son sang-froid. Un mois plus tard, le 14 octobre 2009, elle a l'occasion de prendre sa revanche. I wanna hold them like they do in Texas, please. Fold them, let them hit me, raise it. Baby, stay with me. Ce soir-là, elle participe à l'émission culte Taratata. Maggie la reçoit presque par politesse, parce que Polydor fait un forcing pour qu'elle vienne. On a mis 6 mois à convaincre Taratata qu'il fallait la prendre. J'adore Paris et j'adore en petit café. Elle sait que c'est enfin sa chance de convaincre et ne va pas la laisser passer. Et j'aime le cabaret. Elle chante en français, un français un peu galactique. On a un peu du mal à comprendre ce qu'elle raconte, mais fait l'effort. Donc du coup, en fait, on est sous le charme, quoi. Je chante Edith Piaf, je vois la vie en rose. Là où on se rend compte le talent vocal de la fille, quoi. Tout le monde se prend une énorme claque, quoi. Les gens se sont enfin rendus compte qu'elle était drôle, elle était intelligente, elle savait super bien chanter et en plus, elle avait une vraie proposition artistique. Et de ce moment-là, on a vraiment commencé à vendre des albums. C'est passé de « on n'en veut pas » à « tout le monde la veut » mais en un claquement de doigts, quoi. Taratata, je vous adore. Avec le public français dans sa poche, Lady Gaga achève sa conquête du monde. Car après des débuts difficiles, la chanteuse a enfin trouvé le moyen de devenir une star. Faire de chacune de ses apparitions une provocation mémorable. Comme ce 13 septembre 2009, à New York, lors de sa première participation à la célèbre cérémonie américaine des MTV Music Awards. Elle interprète son tube Paparazzi devant tout le show business et la surprise qu'elle a préparée est totale. On découvre une artiste overlookée, en blanc, un peu une robe de mariée revisitée. La chanteuse commence dans la dentelle, mais très vite, la performance prend une tournure inattendue. Elle va pousser le bouchon très très loin puisqu'elle va mettre en scène un suicide et elle va jouer le rôle d'une pendue avec du sang à la fin qui dégouline. On n'avait pas beaucoup vu ça avant. Une provocation qui pourrait sembler gratuite. Et pourtant, ce soir-là, la star veut faire passer un message. Elle représente toutes ces pop stars qui se sont fait un peu tuer par la célébrité. C'est pour ça qu'à la fin, on la voit en sang. Elle dit juste, vous les paparazzi, à force de nous mettre la pression à nous les people, eh ben, ça peut finir dans un bain de sang. J'ai l'impression que Gaga, elle est complètement dans son rôle. Elle dénonce. Moins d'un an et demi après sa performance sur un parking, la chanteuse a réussi son pari. À 23 ans, elle entre dans la cour des grands en recevant le prix de la meilleure nouvelle artiste de l'année. Sa performance aux MTV Music Awards en 2009 est considérée comme la percée de Gaga. C'est comme si d'un coup, tout le monde connaissait son nom. Les ventes s'affolent, la chanteuse a trouvé la recette du succès. Un mélange de performances artistiques, de provocations scandaleuses sur fond de musique. Une méthode qui rappelle évidemment la plus sulfureuse des divas de la pop, l'indétrônable Madonna. On vous compare souvent à Madonna. Qu'est-ce que vous en pensez ? Je pense que c'est fantastique. C'est une des femmes les plus iconiques, légendaires. Direct, on compare Lady Gaga à Madonna. C'est clair, dès le départ, c'est la nouvelle Madonna. Madonna, Gaga, c'est deux showgirls. Elles ont toutes les deux le sens de la provocation. Des femmes qui révolutionnent la pop, il n'y en a pas 10 000. Il n'y a pas plus belle comparaison. Une comparaison flatteuse, mais qui devient embarrassante avec le temps. Car à chaque interview, la jeune star a droit à la même question. Ça doit pas être facile d'être comparée à Madonna. Honnêtement, je commence à être un peu agacée par ça.
La comparaison ne me gêne pas, mais je ne me suis jamais comparée à elle. Et je ne pense pas que je suis la nouvelle Madonna. Je suis moi-même. Pour Lady Gaga, c'était plus un compliment qu'autre chose, parce que finalement, à l'âge de 23 ans, elle était déjà capable de faire un peu d'ombre à cette icône. Gaga reprend les codes. Elle sait comment utiliser l'espace médiatique, comme Madonna l'avait fait, mais elle va plus loin, parce que l'époque a changé. Pour dépasser Madonna, à l'heure des réseaux sociaux, Lady Gaga compte bien provoquer à outrance. Quitte à parfois friser le ridicule. Elle va aller dans la surenchère médiatique avec des apparitions de plus en plus délirantes. David Bowie changeait de look tous les 6 mois, Madonna tous les 3. Avec Lady Gaga, on est arrivé à « on change de look tous les quarts d'heure ». Pour moi, la bascule, c'est 2009-2010. On a même fait des sujets uniquement avec les 22 tenues qu'elle portait dans la semaine. Le nombre de changements de vêtements dépend du nombre d'activités qu'il y a au programme. 3 interviews égale 3 changements de tenue. Chaque performance télévisuelle, forcément différent. Je ne peux pas refaire la même chose 2 fois. Chaque apparition est contrôlée, mise en scène. On ne la voit pas au naturel. Dans une époque où le buzz est devenu roi, où les réseaux sociaux et les chaînes d'information tournent en continu, Lady Gaga est passée maître dans l'art de créer l'événement. Son jeu, c'est d'incarner une espèce de célébrité à 800% à l'heure des réseaux sociaux, en fait. Les réseaux sociaux ont été vraiment quelque chose qui l'ont propulsé sur la scène internationale et elle sait s'en servir. C'est la première à avoir compris ça, qu'il fallait alimenter la bête jusqu'à ce que le moteur explose, quoi. Oh, I hear them screaming. Let's go. Toujours plus sensationnel, toujours plus spectaculaire. La star est désormais prisonnière d'un show permanent qu'elle a elle-même institué. Et pour alimenter cette course folle, elle se fait épauler par une équipe d'artistes appelée House of Gaga. Elle a mis un système en place, elle a créé House of Gaga. C'est une équipe à plein temps autour d'elle pour créer des costumes, pour créer des décors. Ils vont inventer, développer le personnage de Lady Gaga. Au final, c'est elle qui contrôle tout et qui décide de tout. House of Gaga, c'est elle qui le finance. Clairement, c'est pas du tout la maison de disque, c'était elle, c'est son entreprise à elle. La chanteuse sait qu'elle peut compter sur ses équipes pour réaliser toutes ses fantaisies. En plein festival de Cannes, en mai 2011, elle décide de participer au grand journal de Canal+. Et pour sa performance, elle a vu grand, très grand. 2 jours avant, elle m'appelle. Guénaëlle, tu vois ce que c'est le pont d'Avignon ? Ouais, ouais, ouais. Elle dit, je veux la même chose pour le grand journal. Je dis, mais c'est-à-dire, on n'est pas capable de là de reconstituer un pont, ne serait-ce qu'en BA13 ou en placo plat, tout ce que tu veux. On n'a pas le temps, c'est pas jouable. Finalement, Lady Gaga n'aura qu'une fontaine sur le plateau, mais elle va y prêter toute son attention. Un détail qui a marqué Ariane Massenet, alors chroniqueuse de l'émission. Je sais qu'elle a eu une obsession, c'est qu'il y avait une fontaine, qui est un élément de décor de son live, et il y avait un drapé rouge, une sorte de rideau rouge qu'il avait fallu installer, et elle était obsédée par le pli de ce tissu rouge qui n'était pas exactement comme elle aurait souhaité qu'il soit. Elle le dit, hein, elle a un côté très militaire, elle met la barre très haute, elle est extrêmement exigeante avec elle-même, donc elle est forcément avec son entourage aussi, mais en même temps, elle a raison, il n'y a rien sans rien. Il n'y a pas un costume qu'elle ne vérifie pas avant de le porter. Il n'y a pas une danse ou une chorégraphie qui est mise en place sans qu'elle l'ait validée. Elle refait 10 fois la même chose tant que c'est pas parfait. Elle refait jusqu'à ce que mort s'en suive, surtout la sienne. Elle a exigé une ligne fixe dans sa loge. On a tous été un petit peu étonnés. Et on a fini par savoir pourquoi. C'est qu'elle voulait, avant le plateau, prendre son cours de chant. Et elle estimait qu'avec les téléphones portables, la qualité de la communication ne serait pas forcément très bonne. Et pendant 1 heure, avant de venir sur le plateau, elle a pris son cours de chant. Moi, j'ai jamais vu ça. Le photographe Slam fait lui aussi partie de ses équipes lorsque la star vient en France. Comme ce jour-là, lors d'un shooting avec le pape de la mode, Jean-Paul Gaultier.
One, two, three. OK, just your face. Et le photographe n'est pas prêt d'oublier ses collaborations avec la chanteuse. Travailler avec Gaga, c'est pas de tout repos, mais en même temps, c'est une vraie créativité, c'est une vraie usine à idées. Elle a 25 idées à la seconde, donc forcément, faut suivre. Des fois, il y a des situations un peu rocambolesques, avec des demandes un peu de dernière minute. Gaga a un problème avec le temps. Gaga ne se rend pas compte du temps, donc elle est capable de demander des choses du matin pour le soir. On a eu des cas de figure sur certaines émissions où on a un peu sué. Un mois après Cannes, lorsque la star doit à nouveau chanter au grand journal, elle fait une demande très précise à Slam pour sa mise en scène. Gaga appelle la veille en disant « Voilà, j'ai ma queue de sirène. Oui, t'as la queue de sirène, ok. Elle est un peu verte, je la voudrais noire. Et j'aimerais bien que vous puissiez imaginer aussi un espèce d'aquarium à 3 jours du direct, en plus, sur Canal+. » Et après 3 jours de travail, Lady Gaga apparaît sur le plateau, dans son aquarium. Ça a été une vraie prise de tête, un stress, de l'énervement, du questionnement, est-ce que ça va tenir ? Et finalement, tout s'est très très bien passé. Cette obsession du détail pourrait passer pour un caprice. Mais l'artiste l'assure, ce personnage de Lady Gaga qu'elle crée avec perfectionnisme n'est pas une lubie. Ce n'est pas un jeu. C'est ma façon de vivre. Quand vous sortez dans la rue, les gens doivent se dire « Je ne sais pas qui c'est, mais j'ai envie de le savoir. » C'est Gaga. C'est moi. Naturellement, cette fille est comme ça. Mais jusqu'à, à mon avis, le milieu de la nuit quand elle est dans son lit, quoi. Gaga, elle a créé un personnage. Ce personnage, c'est une partie d'elle. Ce personnage de Lady Gaga, je pense que dans un premier temps, elle le crée pour se protéger elle-même. C'est comme une carapace. Mais cette carapace, ce masque d'une star exigeante, dissimule à peine une personnalité sensible et à l'écoute. Elle est très sympathique. Si on la compare à d'autres stars américaines de la chanson, de son niveau, elle est très sympathique. Elle est descendue du plateau, elle a embrassé Michel Denisot. Donc Michel était très content. Alors mes amis, je vous adore. Le personnage est attachant, vraiment humain. C'est une diva dans l'apparence, c'est une diva dans la manière de travailler, mais c'est pas une diva en tant que personne. Boulimique de travail, dès le début de sa carrière, elle enchaîne les sorties de singles et les albums à une cadence effrénée. Le 12 mars 2009, elle commence même une tournée colossale avec 87 concerts dans le monde entier. Elle va se projeter et mettre en place un système qui est colossal, qui n'avait jamais été créé avant, où tout devient un rouleau compresseur. Elle allait beaucoup plus vite que nous, maison de disques. On venait à peine de sortir l'album The Fame. Je dis, ah, c'est génial, ça cartonne, ça a l'air de très bien partir, c'est cool. Bon, bah, j'imagine qu'à un moment donné, tu vas te reposer un peu, et puis quand tu auras le temps, tu bosseras sur un deuxième album. Elle dit, non, non, mais t'as rien compris. Je suis déjà en train de bosser sur des nouveaux titres. Elle monte dans un bus, elle écrit. Elle monte dans un avion, elle écrit. Elle ne peut pas perdre de temps. Et c'est là où je me suis dit, waouh, il y a un truc qui est en train de se passer et cette fille-là, si ça marche, elle va vraiment révolutionner une partie de l'industrie. Et 8 mois plus tard, en novembre 2009, sa première tournée à peine achevée, la star sort son deuxième album, The Fame Monster. C'est là vraiment où sont les tubes les plus monumentaux. Les chansons sont dingues parce qu'on les écoute une fois, deux fois, trois fois, mais vous les connaissez encore par cœur. Un album dans lequel on ne compte plus les tubes, avec notamment la chanson Téléphone.
Run, c'est une chanson à l'origine que Lady Gaga avait écrite pour le 6e album de Britney Spears, Circus, et dont Britney Spears ne voulait pas. Britney Spears n'en veut pas, qu'importe. Lady Gaga s'offre une petite revanche en collaborant avec la star Beyoncé. C'est dans la boîte avec Lady Gaga. C'est une très vilaine fille. Je me suis tellement amusée et cette vidéo va être inoubliable. Très très honorée d'en faire partie. Et elle se dit en fait je vais travailler avec elle parce que bah déjà elle s'entend bien et en plus de ça il y avait une véritable symbiose artistique entre les deux et je pense qu'elle a compris que Gaga allait vraiment devenir une icône au même statut que Beyoncé et maintenant c'est absolument le cas donc elle a eu raison de le faire. Une nouvelle fois, derrière une musique pop en apparence légère, Lady Gaga révèle dans le texte de sa chanson une partie d'elle-même. Cette chanson a un côté assez répétitif avec cette histoire du téléphone qui ne s'arrête jamais de sonner. C'était ce qu'elle ressent dans sa tête, ce besoin continuel de travailler, de faire mieux. Perfectionniste, elle décide même de faire réaliser un clip de presque 10 minutes. Un clip qui tient plus du court-métrage et qui rend officiellement hommage au réalisateur Quentin Tarantino. Elle a des clips qui sont vraiment des œuvres d'art, c'est hyper travaillé. Visuellement, c'est très très beau. On pensait que le vidéoclip était mort avec Michael Jackson. C'est la femme qui va faire qu'on va s'arrêter en « Ah, maintenant un clip, c'est redevenu un truc important. » Un album qui fait de Lady Gaga une star incontestée. Le succès de The Fame Monster, il est extraordinaire. C'est 10 millions de disques vendus. C'est à partir de là qu'elle s'installe dans le club très très fermé des mégastars. La vague, quoi. Je prends le système à bras-le-corps, j'y vais, je fonce et je mets tout le monde KO. Portée par la célébrité, Lady Gaga compte bien surfer sur le succès et devenir l'artiste de tous les records. 10 jours seulement après la sortie de ce deuxième album, elle démarre une nouvelle tournée mondiale. The Monster Ball will set you free, New York! Now scream! Let's play an up game, then you love me. Do you want love, do you want baby? Un show colossal, à la hauteur de son triomphe. Plus de 200 dates de concert étalées sur 2 ans et demi. Il y a un show visuel de dingue. Quand c'est une tournée, c'est 50 camions pleins de matériel, des dizaines et des dizaines et des dizaines de personnes qui sont là juste pour que quand on est sur scène, on voit un show incroyable. Les shows sont extrêmement conçus, pensés. C'est des tableaux, elles changent 4 fois de tenue. C'est des claques visuelles sur claques visuelles. Pour avoir la chance d'avoir assisté à un de ces spectacles, les spectacles de Lady Gaga, c'est du show non-stop. Ça s'arrête jamais. Alors, on passe du blasphème de symboles religieux à des signes par rapport à la sexualité, à des moments très, très émotionnels. C'est ça qui est incroyable. C'est une vraie showwoman. Elle est dingue en concert. Lady Gaga, c'est 1m57 de puissance à l'état pur sur scène. Et on sent qu'elle a un plaisir d'être sur scène. C'est des shows, mais absolument incroyables. Sa tournée, le Monster Ball Tour, explose tous les records. Le show attire 2,5 millions de personnes dans le monde entier et engrange 227 millions de dollars, ce qui en fait l'un des shows les plus lucratifs de tous les temps. En 3 années, la star Lady Gaga cumule les récompenses et intègre même la très convoitée liste des 100 personnalités les plus influentes du monde du magazine Time. L'attaque menée par Lady Gaga sur l'industrie du disque a été très courte, très réussie et très bien faite. Puisqu'en de 2008 à 2011, on passe d'une fille que personne ne connaît à la plus grande star mondiale. À seulement 24 ans, Lady Gaga a atteint son but, devenir la plus grande, la plus puissante des célébrités. Des parkings des centres commerciaux au plus grand stade du monde, la chanteuse a tout réussi. Mais cette ascension spectaculaire est sur le point de basculer.
Et tout commence par un faux pas. À Los Angeles, lors de la cérémonie des MTV Music Awards 2010. Ce soir-là, la star est nommée dans 13 catégories, un record. Et elle décroche pas moins de 8 trophées. Mais ce que tout le monde va retenir, c'est ça. La robe en viande, des VMAs. Ce moment-là est ancré dans ma mémoire pour toujours. La star monte sur scène habillée de bouts de viande, de ses chaussures à son sac à main. Là, les gens, ils ont juste vu quoi ? Une fille qui a un steak sur la tronche et une escalope sur les deux seins et qui va récupérer un prix. Les gens étaient choqués quand ils ont vu la robe en viande. Personne n'était au courant, hein. Personne des VMAs ne savait ce qu'elle allait faire. Je sais que ça s'est imaginé une semaine auparavant, qu'ils l'ont monté sur elle quelques heures avant le show. 40 kilos de viande, je crois, pour faire cette robe. Les gens se demandaient, est-ce que c'est de la vraie viande ? Bien sûr que c'était de la vraie. Moi, j'ai juste pensé à un truc, je me suis dit l'odeur. C'était mon obsession. Je me dis, oh là là, mon Dieu, mais quelle horreur. Et plus la soirée doit passer, plus ça doit sentir mauvais. Je pensais qu'à ça. On est tous là en train de se dire, alors là, on atteint un summum de ridicule. Si jusque-là, les extravagances de la chanteuse amusaient, avec cette robe, la levée de bouclier est générale. Les associations de défense des animaux montent au créneau. La star est obligée de se justifier. Elle explique à cette époque-là, aux États-Unis, il y a une loi qui s'appelle « Don't tell, don't ask ». Une loi concernant l'armée américaine, et où on interdisait aux homosexuels de révéler leur homosexualité sous peine de ne pas pouvoir rentrer dans l'armée ou carrément d'être exclus de l'armée. Et pour Lady Gaga, c'est juste, c'est pas possible. Hein. En fait, elle explique que si on ne se bat pas pour ses droits, si on ne se bat pas pour faire changer cette loi et toute l'homophobie qui peut régner aux États-Unis, on finira comme sa viande et on n'aura plus de droits, on ne sera plus rien, on sera de la viande morte. Mais le message ne passe pas et ses explications peinent à convaincre. Pourtant, c'est un incroyable coup médiatique, car elle ne peut plus aller sur un plateau télévisé sans qu'on aborde le sujet. La robe en viande, c'est l'une de mes préférées. Merci. C'était tellement choquant. Comme ici, un an plus tard, à Londres. On l'a sur le plateau. Non, c'est une fausse. Non, non, c'est ici, regardez. Ce n'est pas ma robe en viande. Si, c'est la vôtre. Non, ça ne l'est pas. Jamie ? Éloignez-vous d'elle. Moi, je sais où cette viande a été. Et vous, non. Une nouvelle fois, la star a réussi à marquer les esprits. Pour preuve, plus de 10 ans après son apparition scandaleuse, personne n'a oublié cette robe. Après un passage au musée du rock'n'roll à Cleveland aux États-Unis, elle est aujourd'hui exposée à Las Vegas. Tout le monde se souvient de la robe en viande de Lady Gaga. Personne ne se souvient de la robe de Madonna ou de Beyoncé à telle ou telle manifestation. Tout le monde se souvient de la robe en viande de Lady Gaga. Et je savais que 10, 15, 20, 30 ans plus tard, on allait encore en parler. C'est une histoire qui est connue dans le monde entier, par les nouvelles et les anciennes générations. Elle a tout compris. Mais ces provocations très orchestrées, Lady Gaga va finir par les payer très cher. Et ce, quand elle s'y attend le moins. En 2011, elle sort son 3e album, Born This Way. Le disque de la consécration ultime, porté par le titre phare du même nom. My mama told me when I was young, we're all born superstars. She rolled my hair, put my lipstick on, in a glass of her boudoir. Born This Way, c'est un hymne à la communauté LGBT sur la différence. Que vous ayez un physique atypique, que vous soyez homosexuel, que vous soyez bisexuel, que vous soyez un homme, une femme, trans, peu importe, assumez qui vous êtes. C'est un album qui était plus engagé. Elle a commencé à introduire des réflexions sur la religion, ce qui n'était pas du tout le cas sur The Fame Monster. The Fame Monster, c'était un album extrêmement happy. Sur Born This Way, ça a commencé à devenir un peu plus corrosif. En abordant des thèmes religieux, en voulant faire sauter le tabou de l'homosexualité, la star a sous-estimé l'impact de son message. Car si certains saluent son courage, une partie de la population mondiale
n'est pas prête à accepter la reine du scandale. Printemps 2012, Lady Gaga lance sa troisième tournée mondiale, la plus ambitieuse de toutes, qui l'amène en Asie. Dans son expansion mondiale, Lady Gaga décide d'aller vers des territoires qui sont habituellement peu visités par les artistes internationaux, notamment les Philippines. Et très vite, elle se prend la censure religieuse. Stop the Lady Gaga concert! Stop the Lady Gaga concert! We should stop this concert. Nous devons arrêter ce concert. Notre groupe va se battre contre Lady Gaga et contre les organisateurs parce qu'ils violent de nombreuses lois. Attentats à la pudeur, pornographie et blasphème. Pour la première fois de sa carrière, la scandaleuse doit faire face à une véritable fronde. Aux Philippines, elle n'a pas été autorisée à chanter Judas, car ils le percevaient comme une offense à leur religion. Tout comme Born This Way, car c'est considéré par un grand nombre de chrétiens et de musulmans du pays comme un hymne gay. C'était hors de question pour eux. C'est limite s'il n'y a pas des émeutes contre sa venue. Et le vent de révolte anti-Gaga gagne toute l'Asie. Suite aux protestations des associations chrétiennes, son premier concert en Corée du Sud est interdit aux mineurs. En Indonésie, il est totalement annulé sous la pression des islamistes. C'est un début de tournée qui, pour elle, est pas simple. Dévastée par l'annulation de son concert indonésien, la star poursuit sa tournée marathon dans le reste du monde. Sauf que rien ne va se passer comme prévu. Le 12 juin 2012, Lady Gaga publie une photo inquiétante sur son compte Facebook avec ce message. J'émerge après plusieurs heures de sommeil. Je me demande si je peux me montrer avec ce cocard qui me donne un drôle de style. Elle plaisante, mais en réalité, la veille, la chanteuse a été victime d'un accident en plein concert en Nouvelle-Zélande. Un danseur a fait tomber un élément de décor sur sa tête. Un jour plus tard, on apprend qu'elle est partie aux urgences et qu'elle a eu un traumatisme crânien. Lady Gaga se remet de sa blessure et continue sa tournée. Mais 4 mois plus tard, le 6 octobre 2012, nouvel incident. Alors qu'elle est sur scène à Barcelone, la chanteuse ne se sent pas bien. De quoi inquiéter ses fans. Du coup, on voit qu'elle est épuisée physiquement, elle se tient les cheveux, elle vomit. Enfin, on voyait des signaux d'alerte qu'elle était fatiguée parce que sa tournée était colossale. Les signes d'épuisement se multiplient. Mais ce que tout le monde ignore, c'est que la chanteuse garde sous silence une douleur lancinante à la hanche. Et la fille ne s'est pas écoutée, parce qu'elle ne voulait pas arrêter. Elle avait dit « je commence ma tournée, j'irai jusqu'au bout, je ne veux pas décevoir mes fans, il y a des gens qui ont acheté des billets, ben, c'est pas grave, je prends sur moi ». Sauf qu'à un moment donné, ben, ça a lâché. Le 14 février 2013, la nouvelle tombe. La star ne finira pas sa tournée à cause d'une déchirure à la hanche. Mais en réalité, la situation est bien plus grave. Elle a passé des IRM et ils se sont rendus compte qu'elle avait la hanche fracturée. C'est pour ça qu'elle souffrait autant. En fait, elle a la hanche qui est complètement fracturée. Elle dit « j'ai un trou dans la hanche de la taille d'une pièce de monnaie, j'ai les cartilages, il n'y a plus rien ». Personne n'était au courant. Elle montrait absolument rien, ni à sa maison de disques, ni à son management, ni à son entourage. Et c'est pour ça que c'est allé si loin et qu'il a fallu que le corps lâche pour que les médecins disent « non mais en vrai, vous êtes tarés quoi. Comment vous avez pu continuer à tourner, à faire autant d'efforts avec le mal et le problème que vous avez ?» Je pense vraiment que c'est le corps qui dit à un moment donné « stop, arrête de donner autant et il faut que tu arrêtes quoi, parce que sinon tu vas y laisser ta santé. » C'est devenu très très dangereux pour elle. Quoi. Il y a eu une période où on s'est dit « ça se trouve, elle va devenir handicapée et c'est terminé. » quoi. Lady Gaga doit être opérée au plus vite et se mettre au repos absolu si elle veut un jour remonter sur scène. Un coup dur pour celle qui enchaîne depuis ses débuts les sorties de disques et les concerts. Lady Gaga, c'est une hyperactive, elle est incapable de s'arrêter. De s'asseoir sur un fauteuil, pour elle, c'est un supplice. Donc, quand les médecins vont lui annoncer que l'argent, tout ce qu'elle possède, ne va pas pouvoir compenser finalement ce problème physique, là, elle se rend compte qu'on est vulnérable. Elle a dû annuler 21 dates de concert. Elle a perdu 25 millions de dollars.
et ils ont dû rembourser 200 000 billets. C'est vraiment un passage qui va être horrible pour elle, parce qu'elle ne maîtrise plus rien à ce moment-là. Pour la première fois en 5 ans, la chanteuse disparaît des médias. Et ses rares apparitions se font en chaise roulante. Personne, je pense, ne s'attendait à la sentir peut-être aussi cassée. Elle paye ses 3 années de folie, où ça a été un tourbillon non-stop. Et il y a eu des moments où on a été très inquiets pour elle. On était tous en mode genre, oh, est-ce qu'elle va revenir ? En ce début 2013, Lady Gaga, la plus grande star planétaire, est au plus bas. Un épuisement physique qui cache en réalité des failles bien plus profondes. Tout de suite, nous allons vous révéler les secrets de Lady Gaga. Ceci est mon premier concert au piano. Une artiste blessée, victime de harcèlement à l'adolescence et d'agressions sexuelles, alors qu'elle n'avait que 19 ans. Comment la star a-t-elle réussi à dépasser ses traumatismes ? Quels sont les secrets de sa renaissance ? Début 2013, Lady Gaga fait une pause forcée alors qu'elle est au sommet d'une carrière qu'elle a bâtie en seulement 5 ans. Une ascension fulgurante portée par une rage de réussir. Un incroyable désir de reconnaissance ancré au plus profond d'elle-même, vous allez le voir, dès son enfance. C'est ici, dans ce quartier huppé de New York, à quelques pâtés de maisons de Central Park, que la future Lady Gaga, Stefanie Germanotta, grandit dans les années 90, au sein d'une famille unie. Son vrai nom, c'est Stefanie Joanne Angelina Germanotta. Elle est d'origine italienne de par son père. La jeune fille a 7 ans. Lorsqu'elle emménage avec sa petite sœur et ses parents dans un duplex avec terrasse, au sein de cette luxueuse résidence. Elle est née dans une famille aisée, mais vraiment qui vient quand même d'un milieu populaire. Sa mère était cadre dans une entreprise et son père travaillait pour Internet. Des parents qui travaillent dur pour offrir le meilleur à leur fille. Comme tous les enfants de la bonne société new-yorkaise, à 11 ans, Stéphanie intègre cette école, le couvent du Sacré-Cœur, réservé aux filles. C'est pas une école lambda. L'une des sœurs Hilton fréquente cette école aussi, donc on peut dire que c'est une école de haute volée. Les héritières Paris et Nikki Hilton, mais aussi Caroline Kennedy, la fille du président assassiné, sont passées par cet établissement privé catholique très strict. Donc évidemment, on imagine tout ce que ça engendre, hein, avec des bonnes sœurs qui sont là pour veiller, entre guillemets, au grain. Elle avait un uniforme et il y avait également un enseignement religieux. Stéphanie est une élève modèle, mais elle détonne un peu, car elle aime l'art et manifeste un don pour la musique. Ceci est mon premier concert au piano. Sur ces images tournées en 1993 au domicile familial, la petite fille fait déjà état de son talent. Très tôt, ses parents voient son goût pour le piano, son goût pour les arts. Sa mère, Cynthia Germanotta, a déjà pris conscience des dons de sa fille. Nous avons remarqué des facilités dès ses 2 ans. Mais c'est quand elle a commencé à jouer du piano toute seule à l'oreille à 4 ans que nous avons réalisé qu'elle était spéciale. Cours de piano, cours de chant, les Germanotta ne refusent rien à l'enfant prodige qui écrit sa première chanson à seulement 11 ans. À chaque fois qu'elle en parle, elle est très précise là-dessus. Elle savait déjà qu'elle était faite pour ce monde-là. Passionnée par la scène, elle intègre la chorale de son lycée et décroche même le premier rôle de la pièce de fin d'année. En plus du chant, elle étudie le théâtre. Elle a très très tôt envie d'être actrice, en fait. Ça l'intéressait et ses parents l'ont encouragée. Elle passait des auditions pour des publicités, des émissions de télé. À 15 ans, elle obtient son premier petit rôle dans la série phare du début des années 2000, Les Sopranos.
Des premiers pas devant une caméra qui font rêver l'adolescente. Elle se voit déjà en haut de l'affiche, sur scène, devant un public à Broadway. Mais ses premiers succès vont susciter des jalousies. C'est pas la star du lycée avec qui tout le monde s'entend, hein. Au contraire. Elle est un peu considérée par ses camarades de classe comme le vilain petit canard, parce qu'elle joue déjà du piano, parce qu'elle aime déjà la musique. C'était une enfant passionnée par la scène, un peu excentrique, qui s'intéressait à tout ce qui était artistique. Elle s'habillait de façon originale par rapport aux autres. Et on lui en a voulu d'avoir ce profil atypique. On l'a trouvée bizarre, elle est rangée dans la catégorie freaks, et puis les enfants sont pas tendres avec les gamins qui rentrent pas dans le moule. Elle va être harcelée au quotidien, ça va être un moment extrêmement difficile. Pour elle. Elle a même été violentée physiquement. Un jour, trois types qui étaient amis avec des filles de sa classe l'ont jetée dans une poubelle. Une autre fois, elle a retrouvé des insultes écrites sur son casier. Une situation difficile face à laquelle ses parents sont impuissants. J'étais au courant de certaines choses, mais il y en avait d'autres qu'elle ne nous disait pas. Soit parce qu'elle avait trop honte pour le faire, ou qu'elle avait peur de m'en parler. Et c'est à cette période qu'elle a fait une dépression. On a fait de notre mieux en tant que parents pour l'aider, mais on ne savait pas tout. Malgré ses idées noires, Stéphanie s'accroche à ses rêves. Et en 2003, son talent lui permet d'intégrer une prestigieuse école d'art de l'Université de New York, la Tisch School of Arts. C'est au tour d'une talentueuse auteure, compositeur, interprète, Stéphanie Germanotta. Sur ces images, l'étudiante participe au concours de talent de l'école. Il y a 20 élèves par an qui intègrent cette école, donc c'est vraiment rarissime d'y rentrer. Cette école prépare des musiciens, des danseurs, des acteurs, des cinéastes à une carrière professionnelle. Woody Allen sort de cette école, Angelina Jolie sort de cette école, Martin Scorsese sort de cette école. C'est vraiment la voie royale pour réussir dans le cinéma. Dans le cinéma ou la musique, les deux passions de Stéphanie Germanotta. Sauf que dans cette école non plus, elle ne trouve pas sa place. Croyez-le ou non, quand Lady Gaga a intégré la Tisch School, elle a aussi été harcelée. Il y a un camarade d'école qui créera une page Facebook en disant « Stéphanie Germanotta ne sera jamais célèbre ». C'est vachement dur. Des gens se sont inscrits, ils l'ont harcelée. Ils se moquaient de ses performances, ils gribouillaient son visage sur ses affiches. C'était vraiment horrible. Pire, elle subit aussi les critiques cinglantes de ses professeurs sur sa voix ou son physique. Des paroles blessantes qu'elle n'oubliera jamais. Même au sommet d'une gloire qui sonne comme une revanche. Comme ce jour de février 2011, alors qu'elle joue à New York, sa ville natale, devant 20 000 personnes. C'est avec une sincérité touchante qu'elle se confie sur son passé. Je suis allée à la Tisch School à New York. Et ce qui arrivait souvent, c'est que les professeurs me disaient « Ta voix est trop pop. Et quand tu chantes de la pop, ta voix est trop théâtrale. » On se rend compte à quel point elle porte en elle quelque chose de très douloureux. À l'intérieur d'elle, il y a des blessures assassines. Tu ne seras jamais une héroïne. Tu n'incarneras jamais la blonde fatale. Tu ne seras jamais l'ingénue. Tu ne seras jamais le rôle principal. Tu ne seras jamais la star. Parce que tu es brune et trop typée. Donc elle s'est toujours sentie rejetée par les autres. Elle n'a jamais vraiment trouvé sa place. Et quand on regarde bien, c'est sans doute ce qui l'a rendue plus forte. Parce que cette différence, ce pourquoi elle a été rejetée, ça a donné Lady Gaga. L'un des secrets de sa réussite, c'est d'avoir transformé ses blessures en force. Dès le début de sa carrière, la fille atypique regroupe autour d'elle tous ceux qui se sentent exclus. Au fil du temps, ils deviendront plus de 70 millions de fans absolus qui voient en leur icône
une porte-parole de leur souffrance. Avant, je n'étais pas courageuse. Pas courageuse du tout, en fait. Mais vous m'avez rendue courageuse, petit monstre. Elle les appelle ces Little Monsters. Et du coup, elle se fait appeler la Mother Monster, donc la mère des monstres, et puis ses enfants, les Little Monsters. Les fans, c'est, on est presque dans la dévotion. Si vous allez à un concert de Gaga, on est, c'est la messe. Hein. Scream for me! La chanteuse se positionne en fédératrice des exclus. Tous ceux qui, à son image, se sont sentis différents. Hop. Comme le chanteur Bilal Hassani, un fan de la première heure. Lady Gaga, très tôt, elle devient un modèle pour moi et je pense pour un petit peu tous ceux qui se sont sentis peut-être un peu bizarres, un peu étranges. Et c'est marrant que ça soit devenu les Little Monsters parce que du coup, moi, je me trouvais monstrueux quand j'étais petit. J'ai vraiment l'impression d'être une créature qu'on devait cacher. Déjà, à l'école, c'était pas extrêmement facile pour moi. Quand je rentrais à la maison et que des fois, j'avais envie de pleurer et que je me disais genre, c'est horrible ce qui se passe. Est-ce que quelqu'un me comprend ? Je savais qu'elle, oui, parce qu'elle a été harcelée à l'école. Et grâce à Lady Gaga, de nombreux fans comme Bilal Hassani vont trouver le courage de s'assumer. Grâce à elle, j'ai porté ma première perruque. Et je me rappelle que c'était un de ses concerts. Nous, on n'avait pas d'argent du tout, donc j'avais acheté une perruque qui avait coûté, je pense, 40 euros, quelque chose comme ça. Et c'était vraiment un investissement. Il a fallu que je supplie ma mère pour l'avoir. Et quand j'avais ses cheveux, Bilal était Bilal. Voilà, j'avais moins peur, en fait, d'être moi. Peu importe qui vous êtes, d'où vous venez, l'argent que vous possédez, parce que ce soir et tous les soirs qui suivront, vous pouvez être qui vous voulez. Elle porte un message de différence qui, oui, rassemble. Même si pour certains, c'était des fois un peu kitsch, sa manière de dire genre « sois toi-même, aime-toi », etc. Ben, ce message, il a sauvé beaucoup de vies. Je voulais vous remercier. Quand vous aidez les gens et que vous leur dites d'être qui ils veulent, parce que ça a été difficile pour moi de faire mon coming out et vous m'avez beaucoup aidé. Donc, merci beaucoup. C'est très important pour moi. Mais si aujourd'hui, l'affirmation de sa différence est l'une des clés de son succès, cette personnalité atypique lui a coûté cher. Quand elle n'était encore qu'une jeune étudiante inconnue. À 19 ans, celle qui s'appelle encore Stéphanie Germanotta prend une décision qui va bouleverser son destin. Elle claque la porte de l'université, sans diplôme, pour se lancer dans la musique, bien décidée à réussir, seule contre tous. Ses parents étaient déçus. Qu'est-ce qu'elle allait devenir sans aller à l'université? Comment allait-elle vivre, se nourrir, payer ses factures? Elle veut gagner sa vie, elle veut être indépendante, et donc elle travaille. Elle travaille sans relâche. Elle ne va pas hésiter non plus à être serveuse. Serveuse le jour, chanteuse la nuit. Pendant des mois, elle se produit sur scène dans de petits clubs new-yorkais, dans l'espoir de se faire remarquer. Et tout s'accélère le 23 mars 2006. Ce soir-là, pratiquement un an jour pour jour après son départ de la faculté, Stéphanie joue au Cutting Room. Ce qu'elle ignore, c'est que dans la salle se trouve une jeune femme qui l'écoute attentivement, Wendy Starland. C'est une collaboratrice d'un gros producteur de musique qui s'appelle Rob Fusari. Il a notamment travaillé avec les Destiny Child ou encore avec Will Smith. Son patron, Rob Fusari, a demandé à Wendy Starland de lui dénicher la perle rare, une chanteuse avec un fort potentiel. Stéphanie lui tape tout de suite dans l'œil. Ce n'est pas la musique qui m'a plu chez elle. Ce n'était pas son groupe, ni ses vêtements, mais elle. Elle dégageait tellement de confiance. Sa voix portait jusqu'au fond de la pièce.
Wendy Starland a repéré le diamant brut, qu'est encore Stéphanie Germanotta. Le 28 mars 2006, elle la présente à Rob Fusari, qui lui propose sur le champ un contrat pour lancer sa carrière. Un cadeau inestimable pour Stéphanie, qui ce jour-là fête ses 20 ans. Fasciné par sa nouvelle recrue, Rob Fusari décide de la modeler pour en faire une star. Il va commencer un peu à la sculpter, entre guillemets, à lui donner les codes de cette industrie qui est difficile à craquer. Et c'est lui qui va vraiment l'aider à comprendre qu'elle doit inventer un personnage. Lady Gaga fait un nouveau choix radical. Elle rompt définitivement avec ses origines bourgeoises de la bonne société new-yorkaise et pousse à fond son personnage de chanteuse transgressive. Elle va apprendre en fait à utiliser sa sexualité, aussi prendre conscience de son pouvoir de séduction et de l'assumer. C'est pas hyper évident. Une fille qui a un physique plutôt classique, quoi, et donc qui va tout à coup bosser pour être sexy, quoi. C'est pas le truc naturel. C'est pas la fille qui rentre, c'est moi, c'est une bombe. Mais tout à coup, elle va arriver à ça. Donc être une vraie showgirl et être vraiment sexy. Rob Fusari lui conseille de travailler son style musical, son look. Mais son vrai coup de génie, c'est de lui trouver un nom de scène. Elle est capable de chanter tellement d'octaves, enfin elle a des gammes dans sa voix qui sont juste extraordinaires. Et il va même lui dire tout de suite, mais tu es la Freddie Mercury au féminin. Il pense tout de suite à la chanson Radio Gaga de Queen. Et donc il va l'appeler Gaga. Rob Fusari lui trouve ce surnom, mais l'artiste le complète, comme elle le racontera quelques années plus tard. Rob me trouvait très théâtral quand je chantais, comme Freddie Mercury de Queen. Alors il a commencé à m'appeler Gaga. Il disait « Gaga est là ». Il m'appelait Gaga au téléphone et j'ai gardé le nom. Mais j'ai ajouté « Lady » parce que je le pouvais. Armée de son nouveau nom de scène, la désormais Lady Gaga doit trouver sa maison de disques. Et pour ça, elle peut compter sur son producteur, Rob Fusari. Avec Rob Fusari, ils enregistrent plusieurs chansons et puis ils envoient donc les maquettes. Enfin, lui, il a des contacts à Def Jam. Def Jam, c'est l'un des plus gros labels de l'époque. C'est la maison de disques des plus grands rappeurs des années 2000. À la tête de la société, Antonio Reed, dit L. Reed. Une figure incontournable de l'industrie de la musique qui a travaillé avec Mariah Carey et lancé la carrière de Rihanna. Aussitôt séduit par la voix et le charisme de Lady Gaga, L. Reed lui signe un contrat pour produire son premier album. C'est un moment extrêmement fort dans sa vie à Lady Gaga parce que c'est son rêve de gosse. Depuis qu'elle est toute petite, elle veut faire ça. Et là, elle a vraiment le sentiment que tous les sacrifices qu'elle a faits, elle se dit mais... ça y est, c'est bon, on y est. Pendant des semaines, elle travaille à l'enregistrement de ses premières chansons. Jusqu'au jour où elle reçoit un coup de fil de la maison de disques. Trois mois après, il la lâche. Ils ont détesté son son. Ils trouvent ses paroles dégoûtantes et ils se disent, on n'ira nulle part avec cette Lady Gaga. Alors, les dessous, c'est que L. Reed écoute un jour des bandes démos qu'elle a produites et il trouve ça, pour le citer, je crois, horrible. Il n'a pas de mot assez fort, dégoûtant même. Je crois que c'est le mot qu'il utilise. Il parle de musique dégoûtante et il dit « vous me dégagez ça » et son directeur artistique. C'est-à-dire qu'il y a deux personnes qui sont virées dans la foulée, et Lady Gaga et son directeur artistique. L. Reed a dit dans une interview des années après, quand Lady Gaga était devenue une superstar, que c'était son plus grand regret dans l'industrie de la musique. Virée par L. Reed, Lady Gaga voit ses rêves de gloire s'effondrer. Un revers brutal, dont certains ne se seraient pas relevés. Mais la chanteuse intègre un groupe d'auteurs-compositeurs. Elle écrit pour les autres. C'est alors qu'un homme se rend compte de son talent. Il s'appelle Akon et c'est une immense star connue notamment pour le titre Lonely. C'est un rappeur qu'aujourd'hui on a un petit peu oublié, hein, qui s'appelle Akon, mais au tournant des années 2000, il est puissant. En voyant ce qu'elle était capable de faire en studio, en enregistrant des voix démos sur ces titres-là, c'est, la fille elle sait bien chanter. C'est intéressant, en plus elle écrit bien, il y a une écriture, elle est efficace. Persuadé qu'il vient de trouver une pépite, Akon lui fait enregistrer son premier titre,
Just Dance. C'est le début d'un tourbillon de succès pendant 5 ans. 3 albums vendus à plusieurs dizaines de millions d'exemplaires. Des tournées mondiales spectaculaires qui rassemblent des millions de fans au rythme de son hymne, Born This Way. Jusqu'au coup d'arrêt brutal en 2013. Blessée à la hanche, Lady Gaga doit suspendre sa carrière pour se reposer. Mais impossible pour la star de ne pas créer. 6 mois à peine après le début de sa convalescence, elle sort son 4e album qui doit signer son grand retour. Elle a dû encore plus se mettre la pression par rapport à cet album parce qu'elle s'est dit bah maintenant que les gens pensent que je suis fini parce que j'ai pas pu assurer toute la tournée de Born This Way, je devrais encore plus redoubler d'efforts pour sortir cet album. Mais en voulant aller trop vite, elle bâcle son album, Art Pop. L'accueil est catastrophique. C'est un album assez difficile à écouter, exigeant, commercialement, qui va pas forcément très très bien marcher et qui manque de tubes. Aucun single n'est numéro 1. Et l'album s'écoule à 3 millions d'exemplaires au lieu des 10 millions et plus des précédents. L'effet Gaga ne fonctionne plus. On reproche à la star d'en faire trop au point de tomber dans l'autocaricature. Cagoule en peluche. Robe volante. Des apparitions toujours plus délirantes. Après avoir tutoyé les sommets, l'atterrissage va être violent. Lady Gaga court après son personnage, une fuite en avant qui peine de plus en plus à dissimuler un mal-être plus profond. Mais de quoi souffre réellement la star? Acculée par les journalistes, Lady Gaga va devoir fendre l'armure. Le 2 décembre 2014, lors d'une célèbre émission de radio américaine, pour la première fois, elle raconte son secret. Gaga a 19 ans, elle est au tout début de sa carrière, elle rencontre un producteur de musique et ce producteur, en fait, va la violer, va la séquestrer, va la mettre enceinte. Ce traumatisme, pendant des années, Lady Gaga va l'enfouir au plus profond d'elle-même et refusera même de porter plainte ou de révéler l'identité de son violeur. Ça a été un choc pour tout le monde de dire en fait il y a toutes ces meurtrissures et elle a tout caché derrière elle et puis ça n'existe pas, ça n'a jamais existé, je ne veux rien entendre, je veux rien voir et puis sauf qu'à un moment donné tout est remonté. C'est un moment de sa vie qui a grossi et qui a grossi et qui a fini par sortir des années plus tard parce que c'est beaucoup trop lourd à porter, on ne peut pas rester avec ça. Elle a souffert d'un très long stress post-traumatique avec toutes les implications que ça peut avoir, l'anxiété, la souffrance. Voilà, c'est quelqu'un qui a vraiment souffert. Et pour ne rien arranger, elle découvrira quelques années plus tard qu'elle est atteinte d'une grave maladie. Elle révèle qu'elle est malade de fibromyalgie. C'est une maladie qui est assez rare et c'est une maladie qui provoque des douleurs chroniques. Ce mal, 1 ou 2% des femmes l'ont seulement. Et c'est un mal qui est assez terrible parce qu'en fait, il est sournois. Il y a des douleurs dans tout le corps. Il y a des problèmes gastriques. C'est constamment douloureux. Et cette douleur physique génère d'autres douleurs. C'est-à-dire qu'on est sur une perte de sommeil, des épisodes anxieux qui sont très, très forts. Donc psychologiquement, c'est très compliqué pour elle. Donc voilà, elle est constamment dans un cercle de douleurs qui fait qu'elle n'est jamais vraiment bien, vraiment tranquille. Dès lors, impossible de ne pas relire la carrière de l'artiste à la lumière de toutes ces révélations. Elle a différents monstres, justement. Les chansons, c'est un monstre par chanson, en fait. Et ça, ça ressort, elle recrache tout ça, en fait, artistiquement parlant. Faire de sa souffrance une œuvre, c'est le cas avec cette chanson. Libérée de son secret, elle écrit « Till it happens to you ».
littéralement, jusqu'à ce que cela ne t'arrive. Une chanson créée pour un documentaire qui dénonce les viols dans les campus américains. Un titre dont elle est fière et qu'elle va même défendre aux Oscars en 2016 dans la catégorie meilleure chanson originale. Rejointe sur scène par des victimes d'abus sexuels à la fin de sa chanson, ce soir-là, même si Lady Gaga ne remporte pas l'Oscar, elle est enfin en paix avec elle-même. Une paix aussi retrouvée grâce à un homme présent dans la salle, un certain Taylor Kinney, auquel elle va rendre hommage sur les réseaux sociaux. Je n'ai jamais pensé que quelqu'un pourrait m'aimer. J'avais le sentiment que mon corps avait été détruit par mon agresseur. Mais Taylor aime la survivante en moi. Il est resté à mes côtés toute la soirée, fier et sans honte. Ça, c'est un homme. C'est un acteur, mais il a joué son prétendant dans l'un de ses clips, You and I. Et ils ont flashé sur le tournage et ont commencé à se fréquenter. Elle, qui avait toujours jalousement protégé sa vie privée, s'affiche désormais avec l'homme qu'elle aime. C'était une relation très intense, mais en même temps, ils ne se voyaient pas très souvent. Et du coup, il se tatoue, lui, une valise qui symbolise Lady Gaga et elle, une encre qui symbolise Taylor. On découvre alors une nouvelle facette de la jeune femme, romantique et amoureuse. Elle poste même sur les réseaux sociaux une photo de la bague que Taylor lui a offerte le jour de la Saint-Valentin. Taylor Kinney, un soutien indéfectible. Il va même l'épauler dans sa carrière d'actrice naissante lorsqu'elle décroche son premier grand rôle dans la série culte American Horror Story. Comme c'est un acteur, il l'a aidé à répéter et lui a donné plein de conseils. Il lui a en quelque sorte expliqué comment se comporter sur un tournage, comment se faire des amis avec les équipes, avec les autres acteurs, et elle a vraiment apprécié. Taylor Kinney a été un bon coach, puisque l'interprétation de Lady Gaga lui vaut une première reconnaissance de son talent de comédienne. Le Golden Globe 2016 de la meilleure actrice dans une série. J'étais avec elle. Je ne pourrais pas être plus fier. Son discours était vraiment émouvant. Elle a tous les talents. Mais coup de théâtre, quelques mois plus tard, la jeune femme annonce sur les réseaux sociaux qu'ils se séparent après 5 ans de relation. You're giving me a million reasons to let you go. Lorsqu'elle remonte sur scène l'automne suivant avec Million Reasons, tout le monde pense qu'elle évoque leur rupture. À cette époque, Lady Gaga vient tout juste d'accepter de jouer dans A Star Is Born, un projet qui aurait précipité la fin de son histoire d'amour. À chaque fois qu'elle passe un palier dans sa carrière, elle perd l'homme avec lequel elle est tout le temps. Sa carrière professionnelle est tellement dévorante que la personne à côté ne peut pas rester, quoi, finalement. Le grand amour, elle va le retrouver en 2019, aux côtés de Michael Polanski, un entrepreneur inconnu du grand public. Il n'a rien à voir avec le showbiz. Ils ont une vie hyper lambda. Et je pense que quand on est une superstar, c'est extrêmement rafraîchissant. Elle a toute la gloire du monde. Et finalement, ce dont elle avait envie, c'est peut-être d'avoir juste quelqu'un qui la traite, non pas comme Lady Gaga, mais comme Stéphanie. C'est à ses côtés, le 20 janvier 2021, qu'elle participe à un moment historique. Ce jour-là, elle est conviée à l'investiture du nouveau président des États-Unis, Joe Biden. Mesdames et messieurs, et maintenant pour chanter notre hymne national, accompagné par l'orchestre des Marines, veuillez accueillir Lady Gaga. Un immense honneur. Sur les marches du Capitole, elle succède à des monuments de la chanson comme Beyoncé ou encore Aretha Franklin.
pour interpréter l'hymne américain. Avec le nouveau président des États-Unis, elle partage une amitié profonde depuis plus de 5 ans. Une amitié fondée sur les mêmes valeurs, la défense des exclus. Elle entonne donc l'hymne américain de façon absolument divinement magnifique. Lady Gaga, quand elle dit que c'est le plus beau jour de sa vie, elle voit la lumière en fait. Elle voit l'espoir de d'autres possibilités. La nouvelle fiancée de l'Amérique affiche désormais un visage radieux. Star de la chanson, actrice reconnue, sereine, réconciliée avec elle-même. Celle qui rêvait de devenir une star mondiale de la chanson et du cinéma semble avoir accompli son destin à seulement 36 ans.